Alors, eh bien voilà, trou numéro 2, les amis golfeurs et non-golfeurs de la chaîne Je vous emmène golfer. On est au trou numéro 2 du golf d'Apremont. On vient d'enchaîner donc le 1 qui s'est plutôt bien passé, Christian se chauffe. Et là, en fait, c'est un par 5 qui va se jouer en 3 coups plus les 2 coups sur le green avec un dogleg, un virage totalement à gauche. Le trou, il a cette particularité. En fait, c'est un trou en aveugle, on ne voit pas. Donc je vais jouer devant, là, on a un arbre un peu mort devant. Je vais aller jouer plein milieu fairway et puis on verra ce que ça donne. On est vraiment en plein été là. Enfin, on est au mois d'avril, mais on se croirait en plein été. Et comme ce sont les premières fois qu'il y a des beaux jours, eh ben, je pense qu'il y a du monde, ça a attiré du monde. Donc on tamponne un petit peu, mais on prend notre temps. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir sur un beau décor, sur un magnifique green, sur un magnifique golf. Voilà. Donc c'est parti, allez, je vous emmène. Allez, c'est parti. Je joue une première balle. Je vais m'aligner sur l'arbre. On a l'impression qu'il est mort là-bas, mais il n'est pas mort. Et hop. Mon alignement, il est là. C'est hors de mon contrôle. Et c'est pile l'alignement que j'avais visé. Le rebond est parti un tout petit peu à droite. Mais voilà, allez. Dis donc, je les claque bien mes balles. Je ne sais pas si ça s'entend, je ne sais pas si ça se voit. Mais je prends un grand plaisir à jouer les amis. Allez, à Christian. Il est chaud patate mon Christian avec sa taille. Elle tourne bien en draw, tu prends le virage. Et tu prends le, dis donc, elle est très très belle, très tendue en draw. Elle est un peu basse, c'est bien fait de te charrier. Alors, est-ce que tu le connais ce golf, Christian? Pas du tout, je découvre, j'adore découvrir les golfs, c'est partie du plaisir. Le but, c'est de découvrir un golf qu'on ne connaît pas aussi, et il est magnifique. Oh, regardez ce virage. Bravo. Donc là, voilà, on est. Bravo, hein, ça dit. Ah là là. Eh bien, par 5, il est bien long, alors on est parti devant. Hein. Stanley a fait des progrès. Le green qui est juste en face. Alors les difficultés sont vraiment sur la droite. Hein. Si vous regardez bien, tous les bunkers traînent là-bas. Donc, oh là là. C'est une magnifique balle que je me suis permis de faire. Et là, je ne peux pas jouer puisqu'il y a la partie qui se trouve devant. Le fairway est magnifique d'entretien. Et vous me connaissez, regardez ce club. C'est bien le bois 5 que j'ai l'habitude de sortir sur la majorité des vidéos. Alors, on va laisser jouer donc nos deux joueurs restants. Et moi, je vais pouvoir mettre une balle. Allez. C'est maligné un tout petit peu à gauche. C'est joli encore. Bien droite. Va venir se poser. Oh, dis donc, je vais avoir un beau coup à jouer en régule. Allez. Le bruit de mon club était agréable, c'est ce qu'il fallait jouer. Vous sentez que j'ai un enthousiasme printanier. Allez, mon Christian, qui lui était sur le côté avec son draw. Très belle balle aussi. Elle a fait un bruit, il a son petit draw, elle roule aussi. Eh bien, je crois qu'on est parti pour batailler, cher ami. Et je sais que Christian, l'émulation golfix, ça lui plaît. Toujours. Allez. Alors, on a tous les deux oublié les télémètres. Ton petit coup avec Johan, ça c'est parti. Hein. C'est vrai? Bah, t'as vu combien les balles que tu mets, là, les deux? Ouais. C'est plaisir. Ah bah. Ma balle est là, juste devant, et celle de Christian, elle est juste un tout petit peu plus loin. Et oui, comment estimer la longueur, là? J'ai oublié mon télémètre, donc là, ça devient compliqué. Désolé. Je te dirais 70-80, toi. Eh ben, j'étais en train de me dire, je parierais bien sur un 80 mètres. Ouais, voilà, si on se met d'accord à deux, c'est pas mal. Ouais, allez. Une moyenne des deux.
Ah. Si, c'est beau. Ouais, c'est, ouais. C'est, tu vas en perdre parce que tu as gratté, mais... Ouais, juste... alors je suis sur le green, mais un tout petit peu. Tu perds 10 mètres parce que tu grattes. J'ai perdu mon... Ah, j'ai un chouï gratté, du coup j'essaie de les compresser, mais je ne l'ai pas compressé. Oh, c'est pas grave. Je suis sur le green. Eh, je suis sur le green en régulation. La météo green en régulation ou quoi, je vais pas me plaindre. Vraiment, je vous ai habitué cet hiver à moins bien sur la chaîne. Donc profitez-en également. Allez, Christian, il nous met une belle balle. Elle passe le... Elle passe. Je suis pas sur le green à 50 cm près. J'ai le drapeau. Donc j'ai la bonne distance. J'ai le break là, là à passer. Et là j'ai... Allez, 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 c'est pas mal du tout. Elle a mal pris le rebond, mais écoute, je me mets en position de part. Allez, Christian, pour birdie. Et t'avais birdie tout à l'heure, je t'ai pas mis la pression, moi. Hein. J'ai laissé le rater. Hein. Oh, pardon. Elle jamais oh revenu. Là là là, elle revient pas. Bon, le par est donné. C'est bien peuté, mais mal, ouais. Mal lu. Merde. Non, le par était donné. Le par était donné. Voilà. Ouais, mais mal lu. Oui. Oui. Joli par. Oh, deux dis donc. Parts. Je me ravis de cette partie. De ce début de partie. Eh les amis, voilà, c'était le trou numéro 2 d'Apremont. Alors moi, je suis satisfait parce que je fais un par. Christian est satisfait parce qu'il fait un par. Et l'enjeu, c'est de se satisfaire quand on est au golf. Et j'espère que c'est le cas également. C'est le cas également pour vous. Voilà, c'était le trou numéro 2 du golf d'Apremont. On va enchaîner. Mais si vous aimez cette chaîne, hein, likez. Si vous aimez mes pars, là, deux pars d'affilée, likez, commentez, partagez. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Allez, on se retrouve sur les réseaux et sur les golfs. Je vous emmène golfer, c'est parti, trou numéro 3.